c'est là. Oui. Troisième but. Marche sur celui-là. Thank you.
c'était en fait deux moules, un de chaque côté du rail, avec une forme particulière, la forme en fait du rail, d'accord. La partie inférieure étant ce qu'on appelle le patin, lame du rail, et la partie supérieure, ouais, champignon. Et on a ici un joint. Ils vont le renforcer aussi qu'avec un joint spécifique, un joint de pâte spéciale, une pâte à lutter. Et ensuite, dessous, ils mettent un couvercle pour éviter que le métal en fusion, quand il va descendre dans l'espace, tombe directement en même dessous. Donc, ils vont mettre ça de chaque côté du rail, le couvercle inférieur, et ensuite, ils vont lancer l'opération de chauffe. Et il y a un élément quand même. Bien sûr, de chaque côté. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont chauffer environ 5 minutes, ce qui permet d'amener les abeaux de rail à un gros 750 degrés. Ils chauffent avec quoi, là? Vous allez voir, il y a une petite bouteille d'air. Donc c'est les abus du rail fait, pour éviter en fait un choc thermique entre le métal en fusion qui va s'écouler et la température ambiante. Voilà, c'est 5 minutes de chauffe, hein. Oui. Ça fait une température d'environ 750 degrés. Et à partir de là, déposer sur ce moule ce qu'on appelle un creuset. Un creuset qui est toujours en fait, c'est un genre de terre réfractaire, c'est pas tout à fait ça. C'est un sable qui est aggloméré avec une résine. Et la durée de vie, c'est la coulée. C'est tout. C'est tout. Après, ça va se transformer en poudre. Voilà. Et donc, au fond, tout au fond, vous avez une petite capsule en aluminium. Je pense qu'on appelle une allumette. Le soudeur, il va prendre son allumette, il va la mettre. Vous allez voir, il va mettre en contact du moule qui a été préalablement chauffé. Ça va s'enflammer. Ça ressemble en fait aux allumettes, vous savez, qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire. Oui. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le même principe. On est en Noël, là. Après, on le met à l'intérieur, le couvercle que j'ai retiré, ils le mettent et il s'écarte. Et quelques secondes après, il y a un phénomène chimique. C'est une charge avec de l'oxyde d'alumine, différents constituants, oxyde de fer, manganèse et autres cosons. Et ça se transforme en fait en fusion. Et vous allez voir le métal qui va s'écouler. D'accord. Après, ils attendent un certain temps, parce que, on va dire que l'association se fasse. Et à partir de là, ils vont retirer, ils vont casser le moule et retirer en fait du zinc. Et après, meuler. Donc, la part de métal qui est à l'intérieur de paramètres, je vais dire,